Salut à tous, moi c'est David et j'ai 33 ans. Alors dans la vie, je suis assureur, je travaille à la Matmut. Alors j'ai trois passions, bien sûr le tatouage, après ma deuxième passion c'est la cuisine et bien sûr la moto. Il y a un an et demi environ, j'ai créé donc C'est Perdu Popette. Le but de l'association, c'est d'aider, à faire découvrir ou redécouvrir le monde de la moto aux personnes en situation de handicap. Alors au mois de mai 2019, on a organisé une balade moto pour emmener 8 personnes qui ont la sclérose en plaques sur toute une journée. Après en juillet, j'ai fait une Spartan Race qui est une course d'obstacles et ça sur Morzine. Voilà, c'était plutôt un défi personnel. Et en cette fin d'année, donc 2019, on a organisé une collecte de jouets et aussi une collecte d'argent pour pouvoir acheter des jouets pour les enfants malades du service pédiatrie de l'hôpital Mère-Enfant de Lyon. Alors fin juin, on va rejoindre l'équipe de Mobitic pour faire un petit bout de route ensemble. Déjà pour leur montrer qu'on les soutient dans leur projet de road trip en mobylette parce qu'on trouve vraiment ça super cool. En plus ils soutiennent la Ligue française, donc C'est Perdu Popette soutient aussi la Ligue française dans l'ensemble de ses actions. Donc pour moi c'était important de leur montrer qu'on était là aussi pour les soutenir. Donc je leur souhaite un bon courage pour leur voyage. Un mot pour la fin, il faut croire en ses rêves, voilà. Que ça soit des choses comme faire un voyage, apprendre à jouer un instrument, faire de la peinture, ou à passer le permis moto, ou à remonter sur une moto, voilà, il faut se donner des buts. Des fois c'est très très difficile, et voilà. Mais après il y a toujours des associations, des gens, de la famille, des amis qui seront là pour vous soutenir et vous aider, donc croyez à vos rêves et battez-vous pour les réaliser.